Maud. Bonjour, madame. Je vais poser quelques questions à propos de l'utilisation du tablette dans la classe. Est-ce que vous avez déjà servi tablette dans la classe? Oui. Tout le monde? Oui. Oui. Qu'est-ce que vous faites avec tablette? On apprend. Vous apprenez. Dites-moi, comment tu apprends avec tablette? J'apprends, j'écoute, je fais des devoirs dans les tablettes, je fais des devoirs, je fais tout. D'accord. Oui. Moi, je dessine un peu sur tablette. Tu dessines sur tablette, très bien. Toi? Moi, je regarde des vidéos de français. Très bien. Toi, ma fille? Moi, je regarde toutes les vidéos dans tous les sujets. Les vidéos dans tous les sujets. Et toi, mon garçon? Moi, je regarde dans maths. Tu regardes quoi dans maths? Je fais les devoirs. Les devoirs sur tablette. Tu peux faire. D'accord. Qu'est-ce que vous préférez? Apprendre avec tablette ou sans tablette? Avec tablette. Avec tablette. Avec tablette. Tout le monde avec tablette? Oui. Pourquoi? Parce que j'aime apprendre, j'aime bien regarder les qu'est-ce, tablettes. Qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi une chose dans le tablette que vous aimez, qui vous fait choisir apprendre avec tablette et non pas sans tablette. Oui? Parce qu'il y a des vidéos, j'aime bien regarder les vidéos. Pourquoi tu aimes les vidéos? Il y a beaucoup d'affaires intéressantes. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi tu dis que c'est intéressant? Comment la vidéo rend ton apprentissage intéressant? Comme si quand on avait eu un jeu, j'ai gagné tout, on dit voilà, il y a un petit méchant qui fait bravo. Et tu es contente? Très bien. Et toi, mon garçon? Moi, j'apprends. À cette tablette. Pourquoi tu préfères la tablette? Français, j'apprends. Français. Allez, pourquoi tu... Qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi un exemple dans la matière français que tu aimes. Il y a un jeu qu'on fait. Il y a le lapin, on met first, second, tout ça. Mm-hmm. On met dedans. Mm-hmm. Et puis, j'ai eu Weldon, je suis contente. D'accord. Ça fait du Weldon, toi aussi, tu aimes beaucoup. Oui. Allez, dites-moi toi. J'ai fait la maths. Oui. Il y a des jeux intéressants. Oui, pourquoi c'est intéressant ces jeux-là? À cause il y a des... Allez, dites-moi, qu'est-ce qu'il y a dans le jeu? Il y a des matching. Matching, tu aimes bien faire matching sur tablette. Est-ce qu'il n'y a pas matching dans votre livre? Oui, ah, oui, il y a. Mais pourquoi tu préfères matching sur tablette que dans le livre? Que j'aime bien tablette. Oui, mais comment le matching dans tablette c'est différent avec matching dans le livre? Le livre c'est un petit peu plus difficile. Tablette, on peut prendre tout ce qu'on a envie un peu mais... D'accord, oui. Après, c'est trop facile dans les tablettes parce que il y a un truc bon. Mais les sons, après, on peut savoir facilement. Non. Le son, tu écoutes, il y a une personne qui parle. Oui. Est-ce que tu aimes bien ça? Oui. Pourquoi tu aimes bien ça? Parce qu'il nous dit les réponses parfois. Après, quelquefois, je sais les. Réponse quelquefois. D'accord. Tu aimes bien écouter la voix de la personne quand tu es en train d'apprendre. Moi aussi. Ça t'aide à apprendre quand tu écoutes? Oui. Ah oui. Est-ce que tu peux écouter et écrire en même temps? Oui. Vous arrivez à faire ça? Oui. C'est vrai? Oui. Mais c'est top. Mais dans la classe, Miss Cipolle, et puis vous faites devoir dans le livre. Oui. Mais pourquoi tablette c'est plus intéressant? Dites-moi un petit peu toi. Dites-moi un sujet que tu as fait que tu aimes beaucoup, beaucoup, beaucoup chez tablette. Allez, dis. Maths. Pourquoi? Parce que j'aime écrire des numbers. Numbers sur tablette. Tu arrives à écrire correctement numbers sur tablette? Très bien. Oui, mon garçon? J'aime bien français. Français sur tablette. Donnez-moi une activité. Il y a une activité, il y a un lapin et une tortue. D'accord. Il faut la bouger et la mettre dans quelque chose qui le met une place avec des personnes, une place dans un bocal.
C'est ultra joli. J'aime c'est... bien faire ça. Qu'est-ce que tu te... qu'est-ce qu'il y a à l'esprit quand tu regardes ça? C'est joli, j'aime bien, j'apprends tout. Il y a cat, il y a dog, il y a tout. Tu aimes... Il y a chat, il y a chien. Tu aimes les couleurs qu'il y a dedans? Oui. Est-ce que les couleurs, vous aimez ça? Oui. Est-ce que ça ressemble un petit peu à ce que vous voyez dans votre entourage? Oui. D'accord. Allez, maintenant, vous m'avez dit vidéo. Oui. Qu'est-ce qui est intéressant dans la vidéo? Allez, dites-moi. Vidéo, il y a des dessins animés, il y a des films, il y a Mr. Bean. Mr. Bean, tout? Il y a Mickey Mouse, il y a tout. Oh, je te rappelle les dessins animés que tu regardes à la maison, ça te rappelle? Très bien. Est-ce que dans le livre, il y a tous ces dessins-là? Non. Partout? D'accord. Oui? Ça... J'aime la tablette parce qu'il y a plein de jeux de vidéo pirates. Après, quand je joue ça, je gagne. Parce que tu gagnes, tu aimes. D'accord. Après, je joue tous les jeux. Tous les jeux, d'accord. Moi, j'aime les vidéos parce qu'on gagne des films, des animés. Et des dessins animés, j'aime bien regarder des dessins animés. Très bien. Maintenant, quand je parle de tablettes, ce sont les tablettes qu'on a à l'école. Oui. Là, donc, s'il y a des vidéos où on lit le passage, oui. Est-ce que vous avez vu ça? Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez vu intéressant dans le vidéo que... Oui. Il y a des jouets. Il y a des jeux, oui. Le vidéo quand on est en train de lire le passage, oui. Il y a des poèmes, oui. La dame lit. Oui. Et puis nous, on répète ensemble. Vous répétez. Est-ce que vous écoutez bien le son? Oui. Avant, on écoute et puis on dit. Est-ce que ça vous aide à apprendre la prononciation des mots correctement? Oui. Oui, très bien. Quelle est la dernière chose que vous avez appris sur tablette dans votre classe cette année-ci? Oui. Les numbers. Les numbers, d'accord. First, second, third. Ordinal numbers. D'accord. Est-ce que vous avez aimé ça? Oui. Pourquoi? Parce que j'aime apprendre, j'aime bien venir malin, j'aime bien faire mes devoirs vite. Alors, tablette t'aide à devenir malin, faire tes devoirs vite? Oui. Plus que le livre? Oui. D'accord. Mais on va s'en servir du tablette toute une journée alors? Non. Et pourquoi non? Du 5 minutes ou 10 minutes, on peut regarder, sinon nos yeux seront affectés. D'accord. Moi j'ai des verres. On va venir. D'accord. Allez, dites-moi maintenant, dans la classe, est-ce que vous avez remarqué un de vos amis qui n'aime pas utiliser le tablette? Ça non. Non. On n'a pas. Tout le monde aime? Oui. Sûr? Oui. Même l'enfant qui n'aime pas trop lire un petit peu? Oui. Ça, ils aiment bien. Tablette. Même si dans le livre, quand Miss donne devoir, l'enfant ne fait rien, il s'assoit, il dort ou elle dort. Cet enfant-là aime quand on travaille sur la tablette? Oui. Comment vous savez qu'il aime? Parce qu'il ne fait pas le devoir, il s'assoit, il boit de l'eau, il dort. Non. Et puis quand il y a ta bête, il se lève, il joue. Ah bon? Oui. Quand elle entend ta bête, elle se lève. Je vais travailler. Comme ça, on est content de travailler sur la tablette. Là. Je vais avoir la tablette moi premier. Alors, vous êtes tous d'accord que tablette vous aide à apprendre mieux? Oui. Est-ce que ça vous aide à retenir ce que vous avez appris? Oui. Comment? Est-ce que pour les examens, là, si disons vous avez des examens, il y a quelque chose que vous avez appris dans la tablette qui vous aide à retenir quand vous êtes en train d'écrire pour les examens? Oui. Comment? Est-ce que quand vous fermez les yeux, vous voyez ce que vous avez fait dans les activités que vous avez fait dans la tablette? Oui. D'accord. Quand vous apprenez à travers tablette dans la classe, est-ce que vous apprenez seul
Oh, vous apprenez ensemble avec vos amis. Ensemble. Des fois seul, des fois ensemble. Qu'est-ce que vous aimez plus? Apprendre toute seule ou apprendre ensemble? Ensemble. Pourquoi? Parce qu'il y a des amis qui nous aident, il y a tout ça. C'est plus amusant quand vous apprenez ensemble? Oui. Oui? Moi, je suis plus intelligent dans la classe. Quelquefois, je sais toutes les affaires. Moi, je travaille tout seul sans l'aide. Mais quelqu'un à côté de moi, Missa a dit si elle a besoin d'aide, de l'aider. Que l'enfant qui ne sait pas trop écrire, trop lire, quand il est en train d'utiliser le tablette, est-ce qu'il arrive à le faire? Oui. Dans lui-même seul? Non, pas trop. Pas trop, il faut un petit peu d'aide. Oui. D'accord. Un petit peu. Une dernière question. Quand vous êtes en train d'apprendre sur la tablette, et votre prof est en train de parler en même temps, non. Est-ce que vous pouvez se concentrer sur ce que vous êtes en train de faire sur la tablette et en même temps écouter votre prof? Non, c'est difficile. Si vous êtes en train de concentrer sur votre tablette, vous n'arrivez pas à entendre, à porter attention à ce que Miss est en train de dire. C'est difficile à écouter et travailler sur la tablette en même temps. Oui. D'accord. Oui. Quand je regarde les vidéos dans les tablettes, quand Miss parle, j'ai l'habitude de mettre pause dans mon tablette pour que j'arrive à comprendre qu'est-ce que Miss parle. Très bonne idée. Good. Moi aussi, j'aime bien quand Miss parle et j'aime bien la tablette aussi. Je peux écouter j'ai pas besoin de mettre pause, Ria, je peux écouter. Quand tu peux écouter en même temps. Oui. Mais est-ce que tu peux porter attention à ce que Miss est en train de dire en même temps? Oui. Tu peux faire les deux en même temps. Oui, je dis. Et toi, ma fille, tu peux faire les deux en même temps? Pas vraiment, un petit peu difficile. Non, si j'arrive pas à faire les deux en même temps, un petit peu difficile. Mais si toi, tu arrives à le faire, c'est très bien. Moi, je peux. Si tu peux le faire, c'est très bien. Toi, ma fille? Moi aussi, pareil. J'écoute tout le temps et puis j'écoute mon tablette toujours. D'accord. Est-ce que vous arrivez, disons, vous avez raté quelque chose dans votre vidéo. Oui. Est-ce que vous arrivez à rewind? Oui. Vous pouvez le faire? Oui. Facilement? Facilement. Est-ce que vous le faites? Oui. Mais des en fois, classe, on ne peut pas rewind Miss. Est-ce qu'on peut rewind Miss? Non! On ne peut pas rewind ce que Miss a dit. Non. Oui, non. Mais on peut enregistrer dans la tablette. Est-ce que vous avez déjà enregistré dans la tablette? Non. Est-ce que vous avez déjà retiré des photos dans la tablette? Non, c'est la première. J'avais retiré une seule photo, mais je n'étais pas en colère avec moi. Ok. Mais vous savez qu'il y a des possibilités de record, d'enregistrer, de retirer photos et tout. D'accord. Oui, ma fille? C'est bon. J'aime bien regarder les tablettes parce que des fois il y a des jeux intéressants comme labyrinthe. Il y a fromage, il y a une souris qui veut manger le fromage. On doit l'aider pour marcher. Comment? Est-ce que quand vous travaillez sur la tablette, ça vous aide à réfléchir? Oui. Mais madame, quand j'apprends moi aussi, il y a une vidéo qui nous montre à apprendre chiffrer et il nous montre, on fait et on apprend tout. Vous apprenez en même temps. Oui. Mon garçon? Dans ma salle, il y a un jeu qui a, il y a un pirate. Oui. Ça, il faut, moi c'est le chemin pour arroder les trésors. Ça, tu aimes bien. Mais il faut réfléchir avant de faire ça. Moi, je veux faire une seule fois. Vraiment. Mais c'est pas réfléchir. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Oui. Il faut réfléchir. Oui. J'avais déjà rentré dans Mars pour jouer le jeu de Mars, un pirate. Après, quand j'ai pas pu faire, j'ai décidé de refaire encore. Après, j'ai pu faire. Très bien. Ça veut dire. Toi, tu peux faire, si tu n'arrives pas, tu refais, tu as la possibilité de refaire, jusqu'à ce que tu arrives à le faire, tu as la possibilité de refaire ça. C'est ça que vous aimez un petit peu dans la tablette, ça veut dire que vous apprenez par vous-même, c'est ça que vous me dites là? Oui. Vous essayez, jusqu'à vous arriver à le faire par vous-même.
D'accord. S'il y a d'autres choses que vous voulez, partager sur votre apprentissage, cette tablette? Oui? J'aime bien la tablette. La tablette, c'est joli. Il y a vidéo, il y a des poèmes, il y a des jeux. Il y a tout dedans. Un petit peu de tout. Très bien. Est-ce que vous sentez que vous êtes capable de faire quelque chose qui est très différent du livre? Oui! Vous avez la possibilité de aussi développer différents talents? Oui! Oui? Dites-moi un petit peu quels sont les talents que vous pouvez développer en utilisant le tablette. Devenir malin, d'écrire vite. D'écrire vite. De faire les devoirs vite. D'accord. Devenir malin. D'accord. Devenir tout. Ah, le tablette aide à devenir malin? Oui. Ah bon? Oui. Vous voulez dire un dernier mot? La tablette est bonne!